Comment le contrôle interne a aidé mon entreprise à atteindre ses objectifs? Voici le journal de bord de notre première course vers New York. À l'époque, j'étais membre de l'équipage. Quelle histoire! Vous voyez cette dame sur la photo? Cette visiteuse s'est immiscée dans la visite réservée aux journalistes. Puis, elle a trompé le dispositif de contrôle d'accès à la cabine de pilotage, dans le but de voler notre plan de navigation. Elle a été démasquée juste à temps, mais a réussi à s'enfuir. Le rôle du responsable du contrôle interne est d'aider les managers à maîtriser les risques par des procédures de contrôle, notamment en s'assurant de la bonne séparation des tâches. L'informatique a implémenté un correctif logiciel. Le responsable de la sécurité a testé le nouveau dispositif, vérifiant aussi qu'il n'y avait pas de régression. Enfin, le responsable du contrôle interne s'est assuré que le plan d'action et ses contrôles respectaient les règles de l'art et que les preuves étaient conservées. Plus tard, nos concurrents nous ont doublés à pleine vitesse, incitant notre pilote à accélérer et prendre plus de risques. Une des responsabilités du contrôle interne est de s'assurer que les règles de gouvernance sont adaptées, connues et appliquées par tous. Un clignotant a alerté le capitaine maîtrise sur la décision du pilote d'accélérer et le risque de sur-régime. Ce dernier a demandé que l'on revienne à un régime moteur acceptable et a rappelé les règles de gouvernance. Ensuite, une tempête terrifiante s'est abattue sur notre navire. L'objectif du contrôle interne, c'est également d'anticiper les situations de crise grâce à des plans de prévention pour garantir la continuité opérationnelle. Grâce aux consignes définies en amont, chacun a pu se concentrer sur ses missions. Et c'est serein que nous sommes arrivés avant nos concurrents. Le contrôle interne permet de mieux maîtriser les événements susceptibles d'entraver une entreprise et lui apporte une assurance plus forte dans l'atteinte de ses objectifs. Pour une plus grande satisfaction de toutes les parties prenantes.